bientôt 21h. Alors, on m'a montré les 59. Je vais vous expliquer ma mission. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue à l'opération Confiche. Je vais péter un câble. Je vais vous péter un câble. Donc, le CESAT a envahi l'île Imrali en Turquie. La marine américaine patrouille dans la zone et elle décide de libérer l'île. Qui marche aucun logiciel. La première division de Marines des États-Unis est chargée de nettoyer la menace navale et d'effectuer un débarquement sur l'île. Un commando des Navy SEALs est quant à lui chargé de détruire la tour radio permettant de coordonner les attaques sur le navire américain. Voilà. En effet, lors de l'arrivée du navire, un feu s'est déclenché dans la salle machine. Durant les réparations, une équipe de protection du navire est déployée. Un casévac sera disponible ainsi qu'un avion léger d'attaque. Ça marche. Donc ça, c'est pour le contexte. Les objectifs primaires, l'objectif des forces spéciales sera de détruire la tour radio. Oh, putain, ainsi que les trois phares situés au nord. Et de tuer le chef CESAT dans son palais. Concernant l'objectif des Marines, ce sera de libérer l'île du sud vers le nord. Et donc l'objectif final sera la ville portuaire nommée Imrali comme le nom de l'île. Et au passage, il faudra aussi nettoyer l'aérodrome. Concernant l'équipe de protection du navire, son but, c'est faire en sorte que le bateau ne soit pas capturé par l'ennemi. Concernant le briefing se situera sur le pont supérieur du navire. Donc je ne veux pas voir de touristes se balader sur le pont supérieur. Si vous spawnez au pont inférieur, vous y restez si vous n'avez rien à faire en haut. Et autre chose, il y a malheureusement un bug avec les élévateurs. Alors je vous demanderai de ne pas toucher aux élévateurs avant que je vous le dise. Celui que je vois jouer avec les élévateurs, je vous le dis tout de suite, il partira à la nage. Donc voilà. Tout est bon, vous pouvez prendre vos slots. Désolé, j'avais oublié de couper le micro, hein, excusez-moi, franchement, désolé. Bon jeu. Merci. Merci. Je vais faire mon chat, c'est quand que le mot de passe. Ferme ta gueule, parce qu'il doit jouer. Ouais, j'arrive, j'arrive, vous inquiétez pas, c'est un peu folklore. Il y a deux points de respawn, un point de respawn dans la cale, un point de respawn sur le pont. Parce qu'il y a un bug avec les élévateurs, comme je l'ai dit, et vous ne pourrez pas aller de la cale vers le pont, et vice versa. Ah, Loxine vient de me piquer ma place, merci. Hey, Patch. Comment ça, ta place? Tu as piqué ma place. J'ai pas marqué ton nom, connard. Jack. Oui. Il y a déjà Valk. Patch, tu peux prendre tes coins de fusil, non? Tu t'es gouré d'équipe, Loxine. Jack, tu... Enfin, je sais pas si c'est toi, tu m'as mis Gunner, je prends le stuff de fusil. Bois avec le commandant, c'est pas moi. Oui, tu prends un truc de fusillé en bas. Y a un problème là. Ouais, et je rejoins quelle équipe parce que c'est pas écrit. Oh là là, on va super bien, dis donc. Hein. Ouais, tu connais même pas la devise de Navy SEAL. C'est pas bien ça. Hein. J'ai pas fait gaffe, la mission elle se fait de jour ou de nuit? La mission se fait à 5h30. D'accord. Que là il est 5h30. Et ben, donc chef. Chef. Patron. Coucou. Ah, je suis là. Vous êtes autour d'une grosse caisse les gens? Donc apparemment il faut détruire trois phares aussi. Oui, apparemment t'as pas lu effectivement les messages sur le forum. Ah non, j'ai pas eu le temps, il était surchargé le forum. Les messages privés étaient surchargés avant, c'est nouveau. Ouais, j'ai pu. Quand je voulais me connecter, il y a marqué attention, trop de connexions en même temps, on veut y réessayer plus tard, et après j'ai eu des rendez-vous tout le temps. Donc. D'accord, pas de soucis. Non, ils font papoter ici a priori.
Ouais, donc effectivement, il faut que tu prennes 6 charges en plus M113. D'accord, ok, ça marche. Ouais, bon, bah, M112. Je croyais qu'ils devaient en prendre une chacun, les bigus, non? Allez. Ouais, tu vas. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, tout à fait. On va répartir. Est-ce qu'il y aura un qui devra prendre. J'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de deux plongeurs. Donc de Taylor et de Spad. Vous prendrez. Il y en a un qui prendra les tenailles et l'autre qui prendra les explosifs. J'ai préparé un loadout avec des explosifs. Oui. Donc, le. Qui parle? C'est le GM. L'arsenal est disponible à l'intérieur dans la cabine qui s'ouvre. Je vais ouvrir la porte. Ok, ça marche. Allez vous équiper, on se retrouve ici. Okay. Si. On en prend ? Oui. Ouais, bon, désolé. Effectivement, la soirée n'a pas été très très facile. Mais bon, on va faire aller. Et j'espère que ce soir, ça sera beaucoup mieux. Que je pourrai compter sur mes collègues. Je règle un peu tout ça parce que j'ai joué en solo. Donc. J'avais besoin d'un maximum de beauté graphique pour flatter ma rétine. Malheureusement, ce ne sera pas votre cas ce soir pour vous. Et j'en suis désolé. Il faut que je retrouve du FPS. Pff, j'en ai pas. Ça me gave. Ouais. Oui. Ouais, étant donné que dans la flotte, il fait plus noir que sur Terre, je pense que ce serait pas mal de prendre des JVL. Ouais, là, ça va être obligatoire même. On va être obligé de prendre des JVN. Ok, Rock. Oui. Attends, je suis pas équipé, j'ai rien fait du tout. Je rame à mort et je comprends pas où. Putain. Il a dû mettre au moins un lampadaire. Ça y est, j'ai les convoques sur ce plan, Marty. TSL, ça sert. Ah bah voilà, il y a de la lumière. Pourquoi TSL, toi? Il y a ma plein qui partent en fait là. Ah, je crois qu'ils ont entendu. Super. Ouais, j'enregistre en même temps avec OBS et même rien que ça, avec le fonctionnement, c'est pareil. Et puis il faut bien faire une rediffusion sur YouTube. Des mecs sont blessés sur le point FR. Alors par contre, j'aurais vraiment pas le temps de répondre à des questions ce soir, donc je compte sur mes fans adorés que j'adore pour leur répondre, s'il vous plaît. Parce qu'à mon avis, j'aurais pas beaucoup de personnes à gérer ce soir, mais ça n'empêche qu'à mon avis, ça va pas être évident. On va prendre ça, on va prendre des Black Battery, voilà. Et puis on est bon, on a tout ce qu'il faut. Tac. Ah oui. J'ai rien besoin d'autre, je voulais juste revérifier quelque chose. Est-ce qu'il m'a mis la combinaison? Ouais, j'ai de quoi mettre autre chose, j'ai tout. Ouais, il m'a tout sauvegardé, super. Ouais, mais personne ne peut battre le pire mousse que ça sert. Sopote, t'es là? Ouais. Ok. Moi, je suis plein, là, je suis équipé. Prends, si tu veux. On a un autre. Je suis en train de parler. Tu peux effectivement prendre un autre uniforme et le poser à côté pour te le remettre dans ton sac à dos si t'as la place. Sinon, c'est pas grave. Ok, ce pote Enfin, j'aurais pas de place, je suis déjà à 30 kilos dépassé. C'est pas le nombre de kilos, c'est juste la place dont je te parle. Bah, si tu veux, vas-y, pose, je le prends dans le sac. Essaye de prendre celui-là si tu peux. Par contre, du coup, si vous allez passer 3 heures. Oui, Tanuki. Non, 2 heures. Ah, t'es là. 2 heures, j'essaie de l'affecter. Oui, allô. C'est bon, ça loge. Ça loge? Ok, nickel, je recharge mon gun. Bon, je t'entends plus, Tanuki. Hein. Pas l'intérêt qu'il soit avec moi. Je veux bien des. Même si je fais du soutien avec la FG. Il parle pas, de toute façon. Et à tout raid, rendez-vous sur le bâton jaune. Par contre, ce serait mieux. On entend la voix soif de Boons qui est revenue. J'ai pas de poche pour mon gilet, pour cela dit, vous non plus. Ah, c'est l'intérieur. On a tout mis dans l'anus. Ouais, mais du coup, ok. Squad, ok, je l'ai. 50. Oh, ça commence bien. Ok, 60. Je le sens.
Ok, force spéciale Navy Seals Sims 3 sur la 50 et sur la 60 aussi. Ok, Drag Boy, je suis là. Avant que j'aille au briefing, si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc allez prendre tous des NVG, effectivement, parce qu'il va faire noir dans la flotte. Celles que vous voulez, à la rigueur, prenez des larges si vous avez envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc comme vous avez lu le loadout, seul moi et un télémètre, vous avez tous des GPS sur vous, des silencieux, prenez tous des silencieux. Si vous avez besoin de petits pistolets, prenez-en un au cas où, on ne sait jamais. Si vous avez de la place, prenez un deuxième treillis dans votre sac à dos. Vous le posez par terre et après le mettre dans le sac à dos. Ça permettra de se changer une fois arrivé sur place. Ça, c'était pour les informations qu'il y avait. Est-ce qu'il y a des questions? On prend quoi comme treillis? Le DCU ou on n'en prend pas du tout? J'ai pas la place de toute façon, avec les charges que je porte. Qui parle? T'es Pax. Sûr? Il n'y a vraiment pas la place? Avec les charges, non. Eh ben quelqu'un va en prendre un pour toi. Quelqu'un va en prendre un pour toi. Moi ça me gêne pas de rester en plongeur. Bon, ouais, ok. Moi non plus avec donc, de la LF, je ne m'attends plus. Ok, vous me confirmez tous avoir pris deux fumigènes et deux grenades max explosives. Ouais. Bah, moi, ok. J'ai trois fumigènes blanches et une fumigène blanche. Ouais. Il n'y a toujours pas écouté. Ok, donc okay, tu n'écoutes pas, pas de soucis. C'est noté. Donc après, minimum de 9 chargeurs. Je vais enlever une fumigène. Ok, et on va prendre. Voilà, une courte portée. Et sur la courte portée, je vous le dis tous, comme ça vous le répéterez quand il reviendra. On va se mettre sur la 155. D'accord, 155. Et la courte portée haut, dans l'eau. Courte portée haut, on va se mettre sur la 40,5. D'accord. Ok. Bon, j'ai une fumigène blanche, au cas où. Ok, 40,5. Ok. Vu. Oui, t'étais pas là, Sas, donc 40,5 pour celle dans l'eau et 155. Ok, ça marche. C'est bon. Ouais. Ok, donc faut qu'on descende maintenant. Okay. Juste, pour l'instant, pas besoin de descendre, c'est moi qui vais devoir monter pour aller au briefing. Tu confirmes qu'on doit prendre tous des GPS? Prenez tous des GPS vanilla, oui, allez-y. Des les maîtres aussi? Non. Non. Que le chef. Bah, écoutez, okay. Taylor, par contre, il faudra que tu viennes me voir pour me donner ton pseudo sur le forum. De toute façon, on va rester. Ok, ouais. On va rester. Bah, sur le nouveau ou sur l'ancien? Attends, je sais pas. Il y a pas de nouveau ancien, il y a toujours eu un seul unique forum, c'est le CPC. De Yellow pour Shepard. Tu veux pas prendre une tablette pour laisser des messages? De Yellow, où est-ce qu'on va pour le briefing exactement? Bon, c'est une question, je sais pas. Le rez-de-chaussée de la citadelle, c'est grand ouvert. D'ailleurs, on ne mettra aucun point sur la carte, on n'est pas. Parce qu'en fait, avec les SMS, tu peux tenir au courant le commandement. Oui, mais de toute façon, j'ai vu avec le commandement, on fait un silence radio complet. On est en insertion, donc voilà. Taylor, c'est quoi ton pseudo sur le forum? En fait, j'en ai pas parce que je pouvais pas m'inscrire sur le forum. Il disait qu'il y avait un problème à cause des spammers et du coup, je pouvais jamais m'inscrire. C'est parce que t'as pas répondu à la question secrète, je pense, Taylor. Si, j'ai tout rempli correctement. Oh, il est devant le chat. C'était un bug, il fallait que j'attende, mais j'ai attendu, je l'ai fait, il y avait toujours ce bug. Ok, bah recrée un pseudo et la prochaine fois, communique dans ta signature tes différents pseudos. Ouais, désolé, j'ai eu un problème. Ok, t'es là. Bon, allez, j'y vais. Pour ce qui est du système médical, j'ai pris 20 pansements gauze et 20 pansements élastiques. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je te fais confiance de toute façon. Ouais, le GM m'a dit que je prenais ce que je voulais. Que j'étais responsable avec toi. Prends des poches de sang. Red de Shepard une fois. Non, poche de sang, je sais pas si c'est autorisé. Red de Shepard deux fois. Si, normalement, poche de sang, j'ai pris 5 litres de saline. Et Red de Shepard trois fois, vous êtes considéré comme mort. Merci beaucoup, bonne mission. Ok, bon, allez. Ah oui, ici Red, j'ai oublié mon indicatif. T'as failli être considéré comme mort sous la mission. Non mais je suis pas qui est Shepard. Mais c'est moi Shepard.
Ouais, et tu me coupes pas. Tu montes sur le pont supérieur et au rez-de-chaussée de la citadelle, on t'attend. Pont supérieur, rez-de-chaussée. C'est-à-dire dans les hangars sur le pont principal. Comment on fait pour monter là-haut? Ah, tu montes. Faut pas monter en haut. Bon bah j'essaie de trouver l'échelle. Je préfère monter en bas. Non mais c'est ici en fait, c'est ça? Shepard de Shepard. Fallen. Désolé hein, pour le fait que ça soit dans le noir. C'était Purple, ça deviendra Delta là. Est-ce que j'y peux prendre des... Un problème encore une fois avec OBS. Purple de Shepard. Les grenouilles, on prend des MDG là. La moustache, elle va être trop. Qui c'est que j'entends là? Ouais, Purple, vous avez rendez-vous comme tout le monde au pont supérieur dans le rez-de-chaussée de la citadelle. D'accord, je peux dire moi ça. Ok, Frog à l'écoute, socio. Ouais, c'est les radios. Ouais, bah vous avez vos objectifs. Dès que vous êtes bon, vous pouvez partir. D'accord. Donc, j'attends pas les autres en tout cas. Okay. Dès que ton équipe est prête. Hein. Ça marche. Ok. Je vais rester ici au calme pour étudier mes objectifs. Bon. Ça, ça va pas être calme. Hein. Bon alors, objectif principal. Je vais avoir envie de m'accoupler avec. Ah ouais, mais moi, j'ai la rainette. Ne t'approche pas de moi. Donc je vais devoir détruire cette tour de communication. Ce phare là. C'est le phare et ce troisième phare. Ouais, vous passez Colson Bravo. Ok, c'est ça. Pas de d'hélicoptère. Ah non, je sais pas si loin. Non, mais copter, il vient de se connecter ton radio, mais de toute façon, Ah non, mais depuis tout à l'heure, il a 10 minutes de jeu, enfin bref, j'ai pas de radio. Bon, oui, il a un commandant couteau suisse. Juste une question socio, dernière. Donc là, je vais partir, je te fais un dernier message quand je me rentre dans la flotte. Je te refais un deuxième une fois que la tour principale a explosé. En ce qui concerne les phares, ça peut-être pas. Enfin, je t'en dirai si c'est fini, les trois, et si j'ai besoin d'aide. Concernant tuer le chef, ça, on verra ça après. Ouais, une fois qu'on sera en place. Ok, c'est bien pris. Je vais faire de la recours en attendant qu'on lance l'assaut. C'est noté. Dans quelle partie de l'île, là où il y a la ville quoi, principale sur il arrive. Bon, allez, il arrive. Ok, ça marche. On fait ça. Merci. D'ailleurs, qui c'est qui m'envoie en hélicoptère? Qu'une putain d'idée. Bon, bah tu m'en tiens. C'est le Medevac qui s'occupera de votre insertion. D'accord, ok. Qui n'est pas plus un Medevac, mais un Casevac. Casevac. Mais c'est qui le responsable du Casevac? Eric. Purple, je sais pas. Eric, ouais. Ok, ça marche. Bon, bah j'attends. De Purple, j'écoute. Ouais, bougez-vous le cul de monter, sinon on part sans vous. Donc, ah, d'accord, mais en fait, il y a juste le sel qui a un souci. Donc, on arrive. Ouais, tant pis, bah tu montes tout seul. Sur la tour, le truc qui s'appelle Communication Tower. Ok, ça bon, va faire exploser. Ensuite, on a trois phares. Du nord. D'accord, j'arrive. De l'ouest à l'est, tout au nord. Donc nos quatre premiers objectifs sont tout au nord de nous. Je laisse parler Ragbol parce qu'il est là. Ok. Ça marche, messieurs. On va prendre un hélicoptère qui sera nommé le Casevac. Je crois Purple. Je crois que c'est ça, c'est nommé Purple. Qui sera dans le code Purple. Nous sommes le code Frog. Donc effectivement, nos objectifs à nous. Putain, c'est tout sombre sur ma carte. Comment ça se fait? Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Faut mettre les JVN. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, quand j'étais dans la salle de briefing, c'était tout clair. Bon, si je les mets là et je remets la carte. Ah oui, ça fait verdâtre. Bon, ok. C'est mignon. Donc, effectivement, objectif principal, tour de communication que vous voyez en 051-028. On va volontairement pas mettre de points sur la carte. Les. Trois objectifs secondaires seront effectivement les phares qu'il y a juste au nord de cette position-là, le phare le plus à l'est et le plus à l'ouest de cette même position, donc à chaque extrémité nord-est et nord-ouest de l'île. Il y a des phares, en tout ça en fait trois, donc il faudra les faire exploser. Après avoir fait ça, si nous sommes toujours en vie et que tout se passe bien, et que nous sommes peinards et pas pourchassés par toute l'armée entière, on aura comme objectif sûrement de faire du repérage sur la ville de Imrali qui est au sud-est du premier tour de communication qu'on aura fait exploser en vue d'un assaut par les Marines et nos amis.
Il faudra juste faire du repérage, puis après les assister. Ça sera pour la deuxième partie de la mission. Donc, dans un premier temps, je vais aller voir avec le casévac pour une zone de déploiement sur la mer. Et puis après, on va voir comment on se déplace. Est-ce que, entre temps, est-ce que vous avez vu des choses, des questions sur votre matos ou sur autre chose? Oui. Alors, qui parle? Qui parle? De Spatz. Alors maintenant, on le voit un peu, hein, tu sais, au-dessus de notre tête, mais de Spatz, c'est moi qui parle. Ouais. Les tours, les objectifs, tu veux qu'on les détruise de façon simultanée ou on n'a pas besoin de cette simultanéité? En gros, est-ce qu'il doit y avoir quelques secondes entre la destruction de tous les objectifs à détruire? Ou est-ce qu'on les détruit une par une, on en prend une, on la détruit, on en prend une, on la détruit, etc. Comment tu le vois? Alors, il faut savoir une chose claire, c'est que l'objectif principal, c'est la tour de communication. Tant que cette tour n'est pas explosée, le bateau sur lequel on est risque de s'enfoncer dans les abîmes. Donc c'est l'objectif principal. On va, je pense, procéder ainsi. Premier temps, tour de communication. Et après, on va les traiter une par une, ces phares, un par un. Je veux pas aller poser une bombe chez l'un, puis après chez l'autre, puis après arriver au dernier, après avoir parcouru au moins 1, 2, 3, 2 km et demi, faire exploser l'autre de derrière. Donc tu les fais péter un par un, on va les faire péter un par un. Voilà, deuxième question. Ouais, moi j'ai une question, enfin j'en ai deux, t'as une idée de là où, enfin, dans quelle position on va être inséré, est, nord, ouest? D'accord. Bon. Alors, donc tu n'as pas écouté. Je vais procéder justement à réflexion avec le casévac sur l'endroit où est-ce qu'on va se faire insérer. Je vous tiendrai au courant. D'accord. Et c'était juste parce que je pensais que tu avais déjà une idée. C'était pour ça. Et juste. J'ai dit que j'allais réfléchir. J'ai un peu anticipé mon job. Sur la tour radio, si tu veux que je sois utile, il n'y a qu'une seule position où je peux avoir être réellement utile en tant que Marsman. Je te les donne, sinon. Tu me dis, c'est en 0,55-0,28. Vous voyez le point moins 153 en altitude. Sinon, j'ai regardé un peu le terrain en Zeus. Le terrain, ça ne fait pas botter moi. Ok, merci. Demande. Et un autre truc, juste quand Jack il a fait son briefing sur l'accueil, il avait dit qu'on devait tuer le chef Cézat. C'est notre objectif ou c'est l'objectif des marines que nous on va aider? Pour l'instant, on n'a pas cet objectif là. On verra ça une fois que ça sera, qu'on aura fait notre job dans un premier temps. Ok. Je vous donnerai la suite des ordres plus tard. Ça marche. Ok, alors. Purple. Il va me courir sur le haricot. Tire sur la 155. Test bien pris. De Frog à Purple. Vous savez si il filme la radio ou pas? C'est rien. Il est en streaming. Je pense. Sur Twitch, point TV, tu vas t'entendre. Non, ouais, bah, c'est ce que je voulais faire, ça. Mais. Ne donne pas alors, ne dis pas de conneries. Attention. Oui, tout à fait. Je stream sur Twitch War Legend. T'as ta réponse. De Frog à Purple. Vu que moi je le vois déconnecté, enfin je vais retourner voir. Et... Non mais c'est pas sur ma chaîne. Non mais War Legend, non Rackboy. C'est une autre chaîne. Bon, c'est 4, tu vois Purple toi ou enfin je sais pas, ils sont pas sur la 60. Sur la 50 encore. Coucou. Hein. Ouais, non, 4. Je ne vois pas Purple. Non, je sais pas où ils sont. C'est des oh là, ça fume. Bah parce qu'il y a le feu, putain. Bon. Ah, il y a le feu. Comment ça me saoule. Jusqu'au nord, si j'ai bien suivi là. Ça. Alors, comme d'habitude, question habituelle, il y a des civils ou pas sur sur l'île? Putain, possiblement. Ah bon. On entend. Bon, je vais faire un retour Windows, alors attention. Putain, j'avais demandé Cal. Rien, j'avais un bug à la con dans une texture. Ah, c'est White Smoke qui se perd, putain, mais c'est Eric est à l'outil. Ok. Ça n'a aucun sens. Un
t'entend, mais c'est juste qu'on te répond pas tellement t'es loin. Ah bah oui. Test radio. Le leader, j'arrive. Vous allez prendre la sensation, Fred ? Oui, pour pouvoir aller dans l'eau. Super. Ah, de Frog à Wax Smoke. Il est où Altus et Tanuki là? Pas possible. Mais trouve, je suis sûr jusqu'à partir là. C'est très dangereux ça. Pas le même bateau, celui d'Arma 2 celui-là. Je sais pas s'il y en a un en fait. Il y en a un de l'autre côté, sinon on se prend le pont en décalé. L'autre côté là. Putain, mais c'est une blague. De Frog à White Smoke, est-ce que White Smoke est sur cette fréquence? Putain, mais. Qui c'est qui parle là, vers l'hélicoptère? Oui. T'as Nuki? T'as une longue portée? Yes. Ouais. T'es sur quel canal, s'il te plaît? Il est possible que ce soit reset. J'étais pas sur la 60. Ouais, parce que je vous appelle depuis tout à l'heure, je chercherai à partir justement. Yeah. Ouais. Vous êtes White Smoke, indicatif White Smoke. Ouais, affirmatif. Ok, je me remets sur la 60, normalement vous êtes dessus. Ah, mais en fait, ma radio a dû se réinitialiser. Ok. C'est celui-là ton hélico? Yes, enfin, c'est les deux armées en fait. Les deux armées juste derrière, là-bas. Pourquoi tu veux partir maintenant? Ouais, je veux partir, ouais. Ok. Dis où est-ce que tu veux aller, j'appelle le... voir avec Eric. Ok, ça Cut. Marche. Ok, je pars celui tout au bout. Hein. Ok, équipe Frog, rendez-vous à l'hélicoptère le plus au nord, et embarquez. Bon, on va réfléchir à un plan d'attaque. L'aérodrome, on va peut-être éviter. Ouais, je suis tendu ce soir parce qu'il y en a qui m'ont bien mis à rude épreuve là. Donc on va mettre point. De Ragboy, est-ce qu'il y a du monde sur la 155? Mais c'est un comble! Ouais, Ragboy, attends, il nous faut nos gunners et notre médecin. C'est un tireur de précision. Ok, alors, je veux que tout le monde ouvre sa radio courte portée et la règle sur 155, s'il vous plaît. Parce que je m'égosille depuis tout à l'heure et j'ai aucun retour. Ah bah je te confirme parce que je t'ai parlé aussi et t'as pas répondu. Donc... Vous êtes avec quel type de... 52. 52 pour tout le monde? Ouais. Ok, ça marche. De sortir juste pour l'instant, de se mettre en position. Okay. Pas de s'éloigner. Je sais pas, je vais me mettre dans ton groupe. Ah, Wax, ouais, c'est ce que tu veux. Ça dérange un peu de. Je comprends parfaitement. Tiens, t'as reviens par ici, là, histoire de rentrer dans le groupe de sociaux. Ragboy sur la 55, vous m'entendez? Oui, bien prêt. Ok, prenez tous fond la balle, dernier hélicoptère au bout du pont, au nord. Vous montez tous dedans. Bien prêt.
Ouais, c'est connu effectivement que c'est souvent des sièges. Il n'y a pas que dans les Black Hawk, hein, il y a aussi dans les avions aussi. Bah ouais, vas-y Ragboy sur la photo. Et non mais montez pas si vous voulez prendre la photo. Genre tu vas y aller faire toi. Ça après. Ouais, après. Waouh. Bah c'était Alex qui voulait. Bah ouais, c'est ma première mission avec Ragboy, je suis content. Je prends une photo. Allez, on se met tous en randonnant s'il vous plaît. On est dans l'immersion. C'est bon. Il y a pas de film, il y a pas de Ragboy, il y a pas de chaîne YouTube, go ahead. On fait la mission. Ah ouais. OK. Je veux que putain attends. Spad, c'était l'heure, vous passez en gunner. Ah bah non, non, c'est bon, pardon. On va avoir des gunners. Elle nous fait imposer en 30-30, c'est 32-30 mètres. Par contre, je jouais pas avec les parklings, s'il vous plaît. Ok. Je suis en quoi pour Frog. Pour tous, vous avez bien tous pris des masques sous l'eau. Hein, parce que tu prends. Je vois pas. Et sinon, vous êtes réglé sur quelle fréquence, les petits loulous là sur la longue? Sur la 60. D'accord, parce que ça fait 5 minutes que je t'appelle. Ah putain, ça s'est déréglé. Gunner, moi aussi, ça fait 5 minutes que je t'ai appelé avant, il n'y avait personne. Non, hein, non, parce non, que moi je suis dans l'arsenal. Non, Blackstorm. Ouais, Blackstorm. Avant d'aller à l'arsenal, il a. Ah bah, je me demandais. Du coup, on a qu'un seul gunner. Pas grave. Il a dû avoir le bug des courses avec la langue. Ok. Ragboy. Ouais, je suis sur la 60. Attends, test 60. Attends. Ragboy, test 60, c'est bon. Ok. Emmène-nous. Alors, je veux que tu m'emmènes au point 033-021. Si c'est trop chaud, tu vas à 500 mètres à l'ouest. 033-021. Je te mets un point. Ok, tout le monde a bien pris des masques de plongée, on est d'accord. Ok, un point ici. Ouais, des lunettes de plongée, ouais. Ouais, mais là, en gros. Mon perso, même dans l'hélico, j'ai le masque. Oui, moi aussi, il se met. Mais garde-le quand même, parce qu'une fois qu'il faudra sauter, tu pourras plus retoucher ton inventaire. Comment tu le fais Enfin, là, tu mets un autre logo, quoi. Ah, ok. Ok, vous avez bien des charges en plus pour Sopot, on est d'accord. Ouais, je passe les portes. Ok. Ouais. Taylor, tu portes quoi en plus? Des tenailles? Ouais, les pinces coupantes. Ok, faut que je l'ai. C'est bon. Combien de charges en plus sur Spatz? Ok, c'est bon. Alors, une grosse et 6 petites. Juste avec Sopot, avec notre. Ouais, c'est parfait. J'ai une charge pour Shepard. Et vous pesez combien avec Shepard? Ils sont sur la 50, hein. Attends, c'est pas une question pour l'instant. Ce que je veux savoir, c'est qu'en tout et pour tout, dans toute l'équipe, je voulais seulement une charge en sacoche et 6 petites charges. Ça fait combien là? Vous en avez plus? On a lui, en petite charge, ça fait 6 plus 2 et 2 charges en sacoche. Largement bien plus de White Smoke. Ok, vous m'en déposez une dans l'avion, dans l'hélicoptère et 2 petites. De White Smoke, on va rester. Ok, j'en mets 2 petites dans l'avion. Je transite en sacoche. White Smoke, normalement c'est la charge. Enfin, la charge en sacoche. Ok. Elle n'est donc plus que 4 petites, hein, c'est pas ça. Parfait. Il va falloir rester mobile, donc léger. 6 kilos. Ça marche. 32. 27. Mais c'est la tenue de plongée qui alourdit énormément. Enfin, pas la tenue de plongée, le recycleur. Je pense que c'est surtout aussi les charges d'explosifs que je tiens. Ok, pour pas déranger les pilotes, quoique peut-être qu'ils nous entendent, mais on va être déposé en 033-021. Pour aborder l'île par l'ouest, enfin son ouest, vecteur est, et on va attaquer directement la tour de communication. On va en discuter sur la plage. Ok. Tu voudras une sortie simultanée ou une sortie avec un éclaireur pour le beachage? Alors, pour le beachage. Déjà, on va être toujours les uns contre les autres sous la flotte. Je veux qu'on soit un seul homme, que personne ne se perde et qu'on aille tous à la même allure. Une fois qu'on voit que le sable remonte et que la mer diminue, Taylor va remonter en surface, jeter un coup d'œil et va redescendre, nous dire si c'est bon ou pas. À partir de là, on décidera.
Ok. Porte de marche pour la colonne si on a une. On va être en trinôme et on va avancer en tiroir. Ordre de tir, réplication seulement. Seulement s'il y a du danger. Je conçois inconnu. Ok, tu peux commencer à partir tout nord-est, est. On est quasiment à deux bornes. Viens à l'est. J'espère que vous entendez bien tous les sons. Pas trop mon clavier ni ma souris. Je suis désolé, vraiment, je lis pas du tout le chat. Faut vraiment que je me concentre. On n'est pas nombreux. Il faut pas qu'on se foire. On n'a aucune assistance, aucune aide. Et t'as une minute. Voilà. On commence à ralentir. Un kilomètre. On a un kilomètre là, quasiment. Un kilomètre, plus. Ok. Vérification des détendeurs et des bouteilles. Check. Ralenti. Bientôt dessus, ouais, en fait. C'est bon, c'est bon. Pas le point. Ah oui. Ok. Ouverture porte. T'as pas de gainer à gauche. Dix secondes. Ouais. On va ralentir, hein, sinon on va se faire mal. Arrête-toi. C'est le pilote de fer. Hein. Ouais, chacun son rôle. Le frog à commandement, je vais prendre mon bain. A tout à l'heure. Allez, cassez-vous pour demi. Allez, tout le monde descend. De Shepard, c'est bien pris, frog. Allez, tu descends. Je descends les mecs, à la prochaine. À la prochaine, salut. Salut. Bon, alors à droite, il y a eu des shootings. Ok, Derek Boy, je vous écoute. Derek Boy, je sais pas si t'entends, mais il y a des shootings dehors. Derek Boy, oui, je vous entends. Putain, pourquoi ça marche pas? À l'extérieur de l'eau. Oui, j'ai entendu. Merci. J'ai le son dans mon jeu aussi. Donc, on va se diriger plein est. C'est parti. Vous voyez, il n'y avait pas besoin de NVG. Hein. Dans les bails, vous me recevez, j'ai quand même des parasites. Dans les bails, seulement un à la fois peut parler. Ok, donc je vous disais, on va descendre un petit peu en profondeur parce qu'il y aurait des bateaux de patrouille, on sait jamais. Donc, comme on n'a pas de quoi les affronter, on va descendre. Ah oui, hein, je suis très attaché à ça. Hein. Faut me faire une réponse à chaque fois. Hein, parce que sinon, je vais pas comprendre que vous avez compris le truc. Et je vais aller venir vous derrière vous. Qui fonctionne pas. Je vais faire de halt. Je peux plus tourner la tête. Si, c'est bon.
se calme avant la tempête. Donc voilà, j'entourais de Spatz avec qui j'ai déjà fait des missions, Sass qui parle beaucoup, ce pote qui est pas un mauvais bougre, Alex G33, connaît pas trop, Taylor pas du tout, donc on va voir ce que ça donne, on va voir si les nouvelles recrues de Canard savent tirer leur épingle du jeu en force spéciale. Ils me suivent bien, c'est génial, ça se passe bien pour l'instant. Si ce n'est qu'effectivement, on a déjà pris des tirs à l'arrivée. Bon, des tirs qui étaient juste pour effrayer l'hélicoptère, donc pas de problème, je pense. Merci à NASCAR pour le GDoc. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pu copier le GDoc dans mon fichier GDoc habituel. Peut-être parce qu'il y a 160 onglets de mission et que ça fait trop. Qui peut pas, il y a peut-être une limite maximale et je l'ai peut-être dépassé. Voilà quoi, à peine un an, non plus d'un an que je les copie ces GDoc. Et on arrive à la fin des limites, ce premier GDoc. Donc on va, je suis attendu d'inaugurer un nouveau. Que j'ai pas une carte à mettre sous les yeux. Ah bah j'écoute. Ouais, peut-être qu'il faudra faire une pause avant de sortir pour éviter qu'on soit essoufflé. Parce que là moi j'ai une Stanley Bar et elle est vraiment dans le rouge. Il a pas écouté ou quoi? J'ai vraiment l'impression que tu n'écoutes pas ce que je dis. Il se reposer avant de sortir de l'eau car il est fatigué. Oui, d'accord. Mais que lui n'écoute pas ce que moi j'ai dit. On va rester à 200 mètres de la plage en pause pour se reposer. Que Taylor va remonter en surface, regarder ce qu'il y a sur la plage, redescendre et nous dire ce qu'il y a. Et on verra, on avisera à ce moment-là. Donc on fera de toute façon une pause avant de débarquer. Bien pris. Donc une pause, ça fait à peu près... Ouais, bah, dès que je sors du grillage là, de la zone grillagée, ouais, non, mais. Ouais, la colère, je lis ça sur le chat, mais le problème, c'est. Il y a des antécédents qui font que. Alors, on va s'arrêter à la première barre. Ok, on stoppe là. Je fais un point carte et j'envoie Taylor à mon signal. Ok, bien pris. Ok, 023 on est là. Parfait. Là où je voulais qu'on soit. 1, 2, 3. Ok Taylor, tu peux monter, regarde tout ce qu'il y a entre à peu près azimut 10 et azimut 140. Tu peux remonter, vas-y. Bien pris.
Ok. Aucun bateau de patrouille, aucune patrouille terrestre ni véhiculée. Non, il n'y a rien. Ok, ça marche, on va continuer. On va refaire ça 100 mètres, 150 mètres de plus. On va avancer sur 150 mètres et on va encore faire une nouvelle, un nouveau check de Taylor. C'est parti. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ce soir, c'est mission Force Spéciale Navy SEALS Team 3. Insertion en eau trouble. Enfin, non, elle est plutôt claire. Avec une équipe de 6 bonhommes en tout pour aller démonter une tour radio. Histoire que notre navire amiral ne se fasse pas attaquer, écouler par la flotte ennemie. Ok, Taylor, vas-y. Ok, j'y vais. Ok, ça marche, je nous rejoins pour une extraction. Donc je vous avais parlé de trinôme, je vais les faire tout de suite. Je vous dis ça tout de suite, attendez. Ok, premier trinôme à sortir de l'eau, Spatz, Taylor et Sopot. Ragboy, ça c'est Alex, on reste en surface au cas où pour les surveiller sortir. Allez, vous sortez, Spatz, Taylor, Sopot, allez-y tout de suite. Go. Allez, on avance, on embraye le pas maintenant. Bien pris. Ragboy, on remonte pour voir. Si t'es sur ma gauche, Alex couvre la gauche plutôt que le milieu ou la droite. Personne à côté du phare ni à la tour radio. Alex, couvre la gauche et Sass sur la droite, s'il vous plaît. Et moi au milieu, merci. Non,
J'ai pas bien entendu, ça coupe avec l'eau. Coupe la gauche. La gauche, Alex. La... Ok. T'es sur mon côté gauche, tu vois. Reçu. Ok, il y en a un qui est sorti. Ok, il y en a un qui est sorti pour l'instant. Je vois que les trois sont sortis. Ok, mettez-vous à couvert, on arrive. Allez, on replonge. Attention bateau de sur vos arrières. Loin ? Ouais, assez loin. Oh putain, non, il est tout près. Couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Putain. Ok, asmatez-moi ça, asmatez-moi ça. Non ? Putain, il a débarqué. Ouais, super. Eh putain, voilà, bravo. Eh ben voilà. C'était fort, fort intéressant. Voilà, la soirée est finie. Putain de merde. Il y avait personne encore vivante ou pas? Non, on entend. Ah, on s'entend même plus entre morts. Bon.